Salut à tous. Salut, salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on a quitté Pessica. On a quitté notre ami Tryon, voilà. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Et là, on est au sud. Alors, sud-ouest le long de la Roumanie. On est exactement à Orceva. Orceva. Alors, hier, on a tourné un peu dans Orceva, mais on n'a pas trouvé de place pour se garer. Hein. On a quand même un gros camion. Donc, on est sorti un peu de la ville. On est à peu près à 5 km d'Orceva. Et regardez ce qu'on a trouvé sur notre route, un joli monastère. Donc, on a voulu visiter, bien évidemment, mais ce n'est pas possible parce qu'avec le Covid, hein, vous savez, en Roumanie, là, depuis qu'on est en Roumanie, c'est vraiment rouge, rouge, rouge. Mais on a fait quand même un petit vol drone et on vous laisse découvrir les images. On vous laisse découvrir les images. À tout à l'heure. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Donc c'est parti, donc là on part de notre spot et on va en direction donc de la ville d'Orceva. Orceva, je sais pas comment ça se prononce. Orceva, on est attendu. On a Tryon, donc notre ami de Pessica qui a contacté une dame du tourisme en fait. Du ministère du tourisme. Du ministère du tourisme de Roumanie. Et donc on l'a eu au téléphone à 8h ce matin, je vais vous mettre un petit brin de conversation. Et du coup elle nous attend et normalement elle devrait nous donner des endroits à visiter dans la ville. Donc apparemment ils ont de la place pour qu'on puisse garer le camion. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Vodita. Vodita, oui. Vodita. V-O. Nu știu pe unde este, dar pe ce traseu ați venit? Est-ce qu'on reste à ça aujourd'hui? Tu fais demi-tour en haut au parking? Oh là. Parfois les routes en Roumanie, elles sont... Ah, c'est un peu archaïque, ça va. On aurait franchement pu avoir pire. Hein. Non mais tu me vois pas là dans le camion avec 15 chiens. Attends, t'es tous les chiens sauvages de Roumanie. Eh ben allez. Il y a et après les petits bateaux ils sont un peu plus loin. Ok. J'ai vu, on les a vus. Il y en a plein. On les a vus, bon, on va voir. Eh ben allez, on va aller voir, on va aller se balader. Mais il n'y en a pas trop maintenant parce que... Oui, c'est fini l'été, ouais. L'été est fini. Qu'est-ce qu'il y a du coup, on le laisse là, lui? On laisse le camion là, t'as fermé à clé, la fenêtre elle est ouverte. Ouais, mais j'ai fermé au moins les fenêtres, le camion. Eh ben allez.
À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci Margaretha. Là, on va prendre des renseignements sur le bateau. On va voir si on peut aller jusqu'à la statue de Décébal. La grosse statue gravée dans la pierre. Donc on va voir ça. Apparemment, il y a des sorties en bateau jusqu'à la statue. Donc on va voir. Après, c'est pas très loin. On va peut-être y aller en camion. Ouais, on peut pas. Mais on sait pas si c'est accessible. Bon, alors, du coup, on n'a pas pu faire de bateau. Non. Il n'y a pas assez de voyageurs. En fait, on est en fin de saison. Donc, on peut rejoindre... comment ça s'appelle? La tête sculptée. On va y aller en camion et puis on essaiera de trouver un petit spot, un petit endroit sympa où on pourra dormir quelques jours. Tu vois le petit monastère là-bas là? C'est le fameux... Le monastère de Monkria ou Monkraya, un truc comme ça. Je crois que là, on change de... Je crois qu'on peut plus y aller là. Tu sais, on va tourner là-bas. Tu crois qu'on peut passer le pont, hein? Oui, il y aurait une interdiction. C'est là, c'est pas mal la tête. Elle est là, elle doit être là. On s'est arrêté, on s'est posé là au bord de la route. On va essayer de voir à pied s'il y a... si on a une jolie vue. Oh, c'est magnifique. Bon bah voilà, on arrive tout droit de Orchova, on vient de poser le camion sur un parking en plein centre-ville de Bail-Herculan. Parce que oui, hier soir, on a voulu monter dans les sources chaudes, on a voulu se baigner, mais le camion en a décidé autrement, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Je sais pas où on va, mais on y va. Fais doucement, Nico, putain. Ah, tu vois, est-ce qu'il faudrait pas descendre là? Bon, on vient de rencontrer le ranger. Il est venu à notre rencontre sur la route. Et il nous conseille, enfin, il nous a donné toutes les indications avec une carte. Donc, on va suivre ces indications. Donc, là, on s'avance dans les montagnes. On est dans un parc national. Et apparemment, il y a une source d'eau chaude en pleine nature. De sulfite, c'est ça, avec des sulfites? Du sulfure. Donc on va aller voir ça. Et c'est la première fois qu'on va dans un parc et qu'on se fait pas jeter surtout. Ouais.
On est dans la montagne, au milieu des bois. Et voilà. Encore cette année rouge. Ouais. Toujours la même. Donc là, on avait mis une chambre neuve. Et ça, c'est toujours au même endroit qu'on a un problème, quoi. Donc réparation d'urgence, surtout avant la nuit, ce serait cool. Oh là là, mon avis, soir. Putain, on est qu'à 300 mètres du spot, quoi. C'était bien à 300 mètres, là? Ouais, c'est à peu près à 300 mètres, j'ai regardé sur la carte. Même joueur joue encore. Là, on l'avait réparé, celle-ci, la dernière fois qu'on avait crevé avec. Putain, on est à 300 mètres du spot, quoi, ça fait chier. On est à 300 mètres, 1 km, 10 km, c'est pas ça, c'est le fait de crever qui fait chier, quoi. Il y a un problème, je pense, sur ce petit ergo, là. Tu vois, ça, c'est censé pour pas que les cochonneries. C'est censé reboucher le... Tu vois, c'est là où la valve, elle passe, là. Ouais. La valve, elle fait ça. Mais elle vient pas au bord, là. Tu vois, comme ici, là. Elle vient ici. Et pour reboucher ce petit espace, il y a ce petit ergo, là. Mais j'ai l'impression que... Ça passe quand même. Ça passe quand même. Et... Est-ce que c'est le flap qui est... Et c'est chiant, quoi, du coup. Je pense pas que ce soit pourri, mais... Écoute, c'est la troisième fois qu'on crève. C'est pas normal qu'on crève sur le troisième roue, même tout. Mais... Alors je vais remettre un coup de cric. Ouais. Parce que là le truc il est redescendu. Donc là la valve elle va rentrer automatiquement quand on va rentrer le pneu. Automatiquement, ouais, c'est un grand mot. Hein, non ça. Mais... Oui. C'est automatique avec moi. Il y a juste à pousser et c'est bon. Juste à... Encore un peu. Ah bon? C'est bon. Là, ton flap, il est un peu ressorti. T'as pas besoin de crossfit, là. Il le fait, Nico, là. Là vu qu'on fait, on va pousser à l'opposé. Il faut qu'il soit un peu plus gonflé, ouais. Dégonflé. Oh merde. Oh putain, là on est baisé. Et tu me le récupères. J'ai cherché une pince à épiler. Ah je le vois. Ouais. Avec une pince épilée, ça va le faire? Ouais. Attends, j'ai ça là. Donne-moi dans la main. Ah putain. C'est quoi qui est tombé, Nico? C'est la goupille? C'est le petit bouchon? Ah bah sans ça on peut pas rouler. Tu le trouves là? Allez. Oh, donne-le moi dans la main. Non c'est bien, il bougera pas là. Mais... Donne-le moi dans la main au cas où. C'est ça qu'on avait perdu. De la corde ou pas chier? Quoi? La corde, je sais pas du tout. Donne-moi ton 10.
C'est celui-là qu'il faut quitter le studio. Il faut péter le pistolet. Ouais, t'as raison. Qui tient que celui-là. Non, pas trop fort. Ça va ? Tu vois, c'était pas un hasard. Pourquoi ? De la pandémie. Ok. Pourquoi de la pandémie ? On a réussi deux fois. Ah ouais, non, mais ça oui. Vous, c'est le pareil ? Ouais. Le marteau, hein. Ouais, par contre, je suis pas sûr qu'elle tienne beaucoup de kilomètres de ma mission chambre à air. C'est celle-là de clé ? Ouais. Quoi ? De la force. C'est sûr que c'est celui-là. Hein. Je suis sûr. Il fait toujours ça pour le démarrer. Oh, je suis pas sûr. Ouais, tu vas y arriver ? Est-ce qu'il faut. J'ai enclenché le contact. Deux clics. Est-ce que je dois soulever. Ouais, le contact, appuie tout de suite. Appuie tout de suite sur le bouton, il a dit, papa. Accélérateur un tout petit peu. Et où ? Là ? Ouais, tape. Assieds-toi. Il faut que tu le tournes comme ça. Allez, à fond, à fond, à fond. Bon, on a le tuyau de. Le tuyau pneumatique qui a lâché. Non, j'avais fait un truc à la mormoleux pour me dépanner. Et ça n'a pas tenu. Non. Coupe le moteur. Juste la clé ? T'éteins là, non, avec le pied. Et tu tournes la clé après. Maintien appuyé. Voilà. Même mon fils de 9 ans le sait. Hein. Ça y est, on est reparti. Mieux en mieux, j'ai à peine 1h30. Ouais, avant la nuit là. Donc on va essayer de voir si on trouve notre spot. Au petit bonheur, la chance. Il nous a dit quand vous voyez des voitures garées un peu n'importe comment, c'est que vous êtes arrivé. Donc là j'ai l'impression qu'il y a un van là. Mais écoute, on va s'arrêter là. Merde, je prends le pédale. Je freine au lieu d'accélérer. Je pense qu'on va s'arrêter quelque part là. Massage. En plus là il y a un café et tout. Enfin, ouais, je pense que là Nico, il nous a dit de nous mettre sur le côté de la route que ça ne gênait personne. Après, il faut que ça soit du côté de moi hein, parce que le chien va être de là, dans la route. Ouais, ils sont peignoirs les gens. Ah, tu t'aurais dû te mettre derrière le van, Nico. Mets-toi pas devant le stand, hein. Ouais, j'allais regarder. Non, mais t'as de la place derrière pour te garer. What are you doing? It's cold. Non, non, good. Je vais me garer là. Non, derrière là, là où il y a le van. Ouais. Derrière, c'est mieux, là, on est en plein virage. Tu veux que je fasse demi-tour ? Tu fais marche arrière. Ah ouais. Ou là, à droite, regarde là. Non, mais pareil, il y a une chaîne. Hello ? Hein ? Speak English, speak French. À droite. Allez, on se gare et on va rejoindre les gens en peignoir. C'est soirée pyjama ce soir. Putain, il y a du monde sous la...
Bon, alors le ranger, il nous a dit qu'on pouvait se garer comme ça sur le bas-côté, c'est pas top, mais on a juste accès à la source d'eau chaude. Je crois qu'elle est à plus de 40 degrés, elle est naturelle. On va aller voir ça. Ça sent le soufre à mort. On va dire bonjour à nos collègues. Yeah, good. Ah, good. Yeah. Good for healthy. Yeah. Good for bone. Good. Yeah. For ah. Yeah. Passage avec la voix. Nous la voix, la face. Parle français. Un petit peu. Ah. Je m'appelle Nicolas. Nicolas. Pierre. Enchanté. Enchanté, Pierre. Ma femme, mon Dieu. Didine. 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 On fait le voyage autour du monde. Tous les mondes. Oui. On voyage pour Noël. On va en Grèce. Athènes. Et après. Cognac. Moldova. Oulala. Motorina, non? À montagne. À montagne. Chin. Santé. Santé. Torna. Ah, ça fait du bien de se poser un peu là, deux minutes là. Ouais, carrément. Après l'effort, le réconfort. Oh, je suis claqué. En fait, on s'est arrêté là dans un petit resto. Alors là, on est garé sur un parking au milieu du centre-ville. Ouais. Et on a trouvé un petit resto parce qu'en fait, on n'a plus du tout d'internet. En fait, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a allongé la Serbie et le réseau a basculé en Serbie sans qu'on le sache. Et d'un seul coup, on a reçu un message. 40 euros de hors forfait. Attention, vous êtes à 40 euros pour Didine et 50 euros pour moi d'hors forfait. D'un coup. Euro la minute, quoi. Ils nous ont piqué des datas. Notre opérateur nous a bloqué les comptes. Quand il a vu que le truc il s'est enflammé en 4 heures, il a bloqué. Donc il a fallu qu'on trouve du Wi-Fi pour payer la note du téléphone pour débloquer nos comptes internet. Donc du coup, on reste ici en centre-ville. Alors on est dans une ville de terme. Centre-ville, attention. Hein. On est dans une ville où il y a des thermes et tout. Enfin, on va vous expliquer tout ça demain quand on ira visiter. Mais là, on est sur un super parking, il y a une barrière, c'est sécurisé, c'est on est en plein centre-ville. On va vous préparer des vidéos, là. Et là, il faut que je m'arrête un jour ou deux pour vous faire 3 ou 4 vidéos, là. Parce que là, j'ai trop de rush, j'ai trop de choses d'avance. Et là, il faut qu'on vous montre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que c'est juste magnifique les endroits où on a été. Ouais. Donc voilà, pour les nouvelles. Donc là, on a pris le wifi du resto. Et une grosse pizza en même temps, au passage. Ok, donc là, ça va bien se passer. Super. Super. Ok, merci. Oh non. Attends, tu vois la taille de l'assiette, tu vois la taille de la pizza. Déjà une part. Mamma mia. Bon app. Bon app. Allez, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve sur la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure. Bye l'Herculane. Salut. Salut.